Zakaria Oulag. Moza Partners, Agadir. Hassania. With my own two hands, Ben Harper. Je suis issu d'un milieu modeste. Je suis né à Agadir. Je suis issu du quartier qu'on appelle Anza, au nord de la ville. Et puis j'ai eu mon baccalauréat ici à Agadir au lycée Youssef Ntachfin en l'an 2000. Et donc j'avais 17 ans à l'époque. Et puis c'est là que j'ai quitté le Maroc pour l'Europe pour continuer mes études supérieures. Lors de mon parcours en tant que consultant, j'avais des missions vraiment hyper intéressantes. Je voyageais partout dans le monde. Tout était parfait, mais il y avait quand même quelque chose qui me manquait. C'était de pouvoir créer des choses par moi-même et pour moi-même. C'est pas qu'il y avait un manque de reconnaissance, mais il y avait quelque chose que j'aurais du mal à expliquer qui faisait que j'avais l'impression qu'on me tirait toujours et encore vers le bas. C'est très porteur. Je ne sais pas si on va ouvrir des bureaux ailleurs, mais en tout cas, on cherche à avoir des clients ailleurs. Et puis pour ce qui est de l'international, de toute façon, on a plusieurs clients en Europe. Je suis assez proche de la CGEM que je suis avant même mon retour au Maroc. Et donc j'ai été adhérent dès mes premières années au Maroc. Et puis je suis membre du bureau ici à Agadir, j'essaie d'aider également. Et donc c'est en tant qu'adhérent qu'on reçoit une newsletter régulière sur laquelle j'avais vu ce projet MBI. Je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai essayé, sans beaucoup de conviction en fait, mais j'ai quand même essayé, j'ai pitché, j'ai envoyé la vidéo et puis il se trouve qu'on a été retenu. Et voilà, une fois par contre qu'on a défini le plan d'action, ce qu'on allait faire, là j'ai vraiment vu l'apport que ça pouvait apporter à Moza Partners et en termes de formation, en termes de référencement auprès des agences marocaines, nationales, etc. Donc vraiment que de bonnes choses. La région du Sousmassa est la première région universitaire du Maroc. On a la plus grande université et puis de nombreuses écoles d'ingénieurs, de commerce, de techniciens, etc. La région a les trois secteurs traditionnels qui sont à rénover, mais totalement, que ce soit le tourisme, que ce soit l'agriculture ou que ce soit la pêche. Donc il y a énormément d'éléments d'industrie 4.0, de robotisation, d'optimisation. C'est aussi écolo. Et puis il y a bien évidemment, dans le cadre du plan d'accélération industrielle lancé par le Royaume, toutes les opportunités qui se trouvent sur d'autres secteurs, notamment les écosystèmes automobiles, les écosystèmes aéronautiques, le textile, le cuir, la plasturgie. Donc vraiment énormément de choses à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre disponible ici à Agadir et dans la région. MBI. Échange. À tout aimereux souhaitant investir au Maroc, je dirais qu'il faut bien préparer son projet, bien l'étudier, le ficeler, s'entourer de personnes de confiance se trouvant au Maroc, faire un vrai benchmark, ne surtout pas investir de manière traditionnelle comme la famille va le conseiller, la famille encore qui se trouverait éventuellement encore au Maroc.